life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, we're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Teddy et Taz. Taz qui a grandi pendant le dernier épisode. Si tu ne l'as pas vu, je te mettrai l'épisode de Tite Loutre en barre de description. Mais je pense que si tu suis ce let's play, tu sais qu'il se passe sur les deux chaînes, sur celui de Lara et le mien. On fait une garde alternée de cette petite famille. Et notre petite Alicia a aussi grandi. Elle va bientôt rentrer de l'école. Donc on va attendre qu'elle rentre. Et puis on va s'occuper un petit peu de Taz, de Teddy. Et je pense qu'on fera une petite randonnée à Montgomery. Voilà un petit peu le programme de ce let's play là. Enfin de cet épisode-ci en tout cas. On verra si tout se passe correctement. Alors je vais mettre play et je me réjouis de jouer pour une fois. Trop chou. Je me réjouissais de que le chien grandisse en fait. Trop cool. Est-ce qu'on peut lui apprendre des trucs maintenant? Dressage, oui. Parle coucher, tiens. On va lui apprendre à se coucher. Bien chou. Par contre, il y a des poils de partout du coup. Super. Ah ouais, pas mal. Il écoute bien déjà. C'est bien, Taz. Il apprend vite, ce petit chien. Voilà notre petite Alicia. Elle a l'air contente de rentrer à la maison. Bonjour, Père Hiver. Je lui ai demandé de faire un petit bonhomme de neige, si on peut encore. Faire une bataille de boules de neige, jouer dans la neige. Faire un bonhomme de neige, voilà, ça va te divertir, en plus c'est cool. Allez, viens là. Papa, il est en train d'apprendre à Taz le dressage, enfin il le dresse un peu. Ah, c'est bizarre ça. Elle est mimi comme toi. Faire un bonhomme de neige. Ah ouais, ça peut être sympa. Allez, va rejoindre... Le bonhomme de neige de la mort. Avec une tomate sur le nez. C'est une chouette idée à part ça, non? Ça la divertit un peu. Non, viens faire un bonhomme de neige avec papa. J'adore les instants où on construit les bonhommes de neige avec nos enfants, je trouve ça... C'est un moment de complicité, je trouve, c'est trop cool. Elle fait tout le travail là, Teddy, tu fais quoi? Ah, tu reconstruis un bonhomme de neige. Mais du coup, elle est toute contente, c'est trop cool. Oh non, j'adore celui-là, il est trop beau!
D'où est cette petite? Oh, regardez celui de Teddy, c'est un punk. Est-il mort? Dort-il? Heureusement qu'il y a les zozozo qui sortent de sa bouche parce que on croirait qu'il est mort, non? Faut qu'on vende ça aussi. Elle a oublié Lara. Hop. Du coup, elle a oublié autre chose ou pas? Qu'est-ce qu'elle a fait de l'étage? Ah oui, elle a gardé juste le coin jeu pour la petite. Ok. Et au fait, Lara, juste pour info, la lampe là que t'as retrouvée dehors, c'est pas moi qui l'avais mise. Je comprends pas comment elle a atterri là. Elle a bien grandi. T'as ce qui demande des câlins, j'imagine. Les devoirs sont terminés. Bravo, Alicia. Ok, on va s'occuper de toi. Tu vas monter à l'étage et tu vas faire pipi. Ensuite, tu vas prendre une douche, faire piéger les toilettes et tu iras te coucher dans ton nouveau lit. Et si on allait voir un chien errant? Qu'est-ce que vous en dites? Bah vas-y s'il te plaît, allez, grouille. Allez, c'est une buggée, cette Agathe. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Mal à l'aise. Pourquoi? Environnement sale. Ah bon? Pourquoi est-ce? Pour les poils? Tu veux bien dormir, s'il te plaît? Non mais, je t'ai demandé quelque chose en fait, tu sais. Mais qu'est-ce qu'elle fiche? Oh, mais c'est une buggée de la vie celle-là. Mais il est parti le chien errant, hein. Pff, elle me fatigue. La beauté de la nuit, quoi. Elle a enfin décidé de faire ce que je lui ai demandé. Je viens de faire connaissance avec Ziggy. Ok. Que c'est? Agathe s'est fait un nouvel ami. J'adorais jouer avec mon chat quand il est encore à la maison. Alors pour la petite anecdote, je suis asthmatique et malheureusement je suis allergique également au chat. Du coup j'ai pas pu garder le mien. Mais j'avais un joli angora blanc. Enfin un joli angora tout court en fait. Et pour ceux qui savent, il est blanc le chat. Et du coup ben, j'ai dû le donner à la marraine de mon petit. Trop triste. Elle s'appelait Princesse. Dites-moi les prénoms de vos animaux dans les commentaires. Va-t-elle faire ce que j'ai demandé? De temps cette nana. Au secours. Ah oui. Elle est contente.
Yad va aller se coucher aussi et nous on va se retrouver, je pense, demain matin. Alors à demain matin, des bisous! C'est joli, Brindeltalbeil. Et voilà, le lendemain matin. Le papa, il est bien évidemment en train de faire son petit sport, n'est-ce pas? Nettoie, s'il te plaît. Teddy, encore à l'action, encore et toujours. Avec ses beaux muscles. Alors, donc vous avez choisi ce harnais-là pour Taz. Vous avez choisi. Donc, non, c'est pas ça. Vous avez choisi cette tenue-là pour Alicia. Vous avez choisi cette tenue-là pour Agathe. Et pas cette tenue-là. Et cette tenue-là pour le cher Teddy Bogos qu'on aime. Alors, on retrouve la famille Marc. Alors, nous allons décorer la maison, bien entendu, étant donné que c'est Nouvel An. Hop, accrocher les décorations. Parfait. Minnesota. Oh, Moochie Beachy, Biba Desu, Stevu Plebo, Wamba Voy, Yambalala, Ishi. Oh merde, elle est en train de mourir de froid. Clevite Morse. Gaba Gaba, Pomeray Quas, Confuibo. Mais Agathe, il faudrait peut-être rentrer en fait. On va demander à Monsieur Teddy de nettoyer et de réparer un peu tout ça là. Hop hop hop. Club des ours polaires. Mais mince, mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Elle a vraiment décidé de mourir aujourd'hui ou comment ça se passe? Mais en fait, il faudrait que tu sortes, Miss Agathe. Alicia. Merde. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh merde. Agathe n'aurait pas dû rester de glace face à cette température polaire. Elle est en train de mourir de froid. Non! Mais... On va essayer de supplier. Non, on peut pas supplier. Pourquoi on peut pas la supplier? On ne supplie pas la mort. Genre, puis lui, il est là en mode, mais... Oh, mais non! Ils vont plus être d'état d'esprit fêteux. Super, merci Agathe pour ce petit souvenir. Attendez. Supplier pour Agathe. Bah, supplie. Bah, rip Agathe.
Mais j'en reviens toujours pas en fait, qu'elle soit morte. On va la mettre dans la maison. Ici. C'est glauque, non, d'avoir une urne chez soi. Dites-moi en commentaire. Ils sont tristes, mais ils chantent quand même. Consoler à propos de la mort, j'ai jamais vu cette interaction. Oh, ils sont trop chauds. Ça va aller, Alicia, t'inquiète pas, je serai là pour toi. Teddy regarde la télé de super loin, super. Et bonne année. C'est un peu ridicule comme interaction. Shubi. Et ça y est, oui, bonne année papa. Oh, pire trop chou, il se félicite d'être dans une nouvelle année. Ok, bah écoutez, ils sont tous les deux fatigués, donc je pense qu'on va aller les coucher. Et c'est sur ça que nous allons nous quitter pour cet épisode. Si... En espérant qu'il vous ait plu malgré la mort spéciale de la maman qui a voulu aller se baigner en plein hiver. Voilà. Agathe en plus qui ne m'écoute jamais. Du coup elle en est morte quoi. Teddy est veuf et est pleuré. C'est triste. Tout le monde est au dodo et c'est sur ça que nous allons nous laisser... Avec la petite Alicia qui est dans son lit. Bonne nuit, ma petite Alicia. Alors, c'est sur ce qu'on va se laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire. Ça fait super plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir la suite des épisodes de la famille Marc la semaine prochaine sur la chaîne de Tite Loutre. Je vous mettrai bien évidemment sa chaîne en description. Et... je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao ciao.